c'est parce que on veut aussi montrer. On ne peut plus leur serrer la main, on ne peut plus les embrasser, on ne peut plus les tenir dans les bras. Eh bien, on peut leur offrir ce qu'il y a de meilleur, peut-être ce qu'on aime le mieux, c'est les fleurs. Alors, on va leur apporter des fleurs. Et pourquoi des chrysanthèmes? Alors là, moi, je ne comprends pas l'histoire des chrysanthèmes, parce que oui, parce que ça a été une habitude qui a été prise comme ça, alors que ce qui est curieusement, c'est que, je crois, c'est au Japon, le chrysanthème, c'est une fleur d'ornement décoratif. Et je ne comprends pas, moi non plus, pourquoi on utilise, c'est une habitude qui a été prise, mais ça, je n'en ai pas le début. Bon, il y a des chrysanthèmes, c'est très joli aussi. On peut encore, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus les utiliser. Mais ils sont là, ben on les prend, mais il n'est pas interdit d'utiliser aussi toutes les fleurs qu'on aime. De saison. Voilà, de saison. Ça te demande bien les chrysanthèmes, là, tout ça? Oui, très bien. Mais pourquoi le chrysanthème et pas autre chose? Pourquoi le chrysanthème? C'est la plante de la Toussaint, spécifique à la Toussaint. C'est celle qui tient le mieux au gel. Un bon maintien. Oui, comme pour toute plante. Et ça va tenir combien de temps? Le chrysanthème, vous comptez un bon mois. Donc, il va me sortir celui de demain.